Sanctifiez-vous aujourd'hui et tenez-vous prêts, car demain vous verrez la majesté de Dieu en vous. Sur le point de célébrer l'ineffable mystère de la naissance de notre Seigneur, c'est avec raison que nous sommes avertis, mes frères, de nous sanctifier et de nous tenir prêts. Car c'est le Saint des Saints qui approche. C'est celui qui a dit « Soyez saints parce que je suis saint, moi qui suis le Seigneur votre Dieu. » Autrement, comment le saint pourrait-il être donné aux chiens et les perles jetées aux pourceaux s'ils ne commencent point à se purifier les uns de leur iniquité et les autres de leur criminelle volupté, pour fuir ensuite, avec toute la sollicitude possible, les premiers leurs vomissements et les seconds leurs bauges fangeuses. Jadis, les Israélites charnels, pour participer aux choses saintes, commençaient par se purifier selon la chair, par diverses ablutions, par des offrandes et par des sacrifices, qui n'avaient point la vertu de purifier la conscience, esclave du péché. Mais toutes ces purifications ont fait leur temps, car elles ne devaient durer que jusqu'au jour de la délivrance, qui sont arrivées maintenant. C'est donc bien à propos qu'on nous fait un devoir d'une justification parfaite, d'une purification intérieure, d'une pureté toute spirituelle. Selon ces paroles du Seigneur, « Bienheureux sont ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » C'est dans ce but que nous vivons, mes frères. C'est pour cela que nous sommes nés, pour cela que nous avons été appelés, pour cela enfin que le jour d'aujourd'hui a lui sur nos têtes. Il n'y avait que nuit et ténèbres dans le monde entier, avant le lever de la lumière véritable, avant la naissance du Christ. Bien plus, chacun de nous était aussi dans les ténèbres de la nuit, avant sa conversion et sa régénération intérieure. N'est-il pas vrai que la face de la terre était plongée dans la nuit la plus sombre et dans les plus épaisses ténèbres, alors que nos pères adoraient des dieux fabriqués de leurs mains, et par une sacrilège folie, décerner les honneurs divins à des divinités de pierre ou de bois. Et nous-mêmes, n'étions-nous point dans les plus profondes ténèbres quand nous vivions dans le siècle, comme si nous n'avions point eu de Dieu, quand nous étions traînés à la remorque de toutes nos passions, attirés par tous les appâts de la chair et soumis en esclaves à tous les désirs du siècle, quand nos membres donnaient des armes au péché et que l'iniquité passée était pour nous un pas vers une iniquité nouvelle, quand enfin nous étions adonnés aux œuvres de ténèbres dont nous rugissons à présent. Or l'apôtre a dit, ceux qui dorment, dorment pendant la nuit, et ceux qui s'enivrent le font aussi la nuit. Vous avez été tels autrefois, mais vous avez secoué votre sommeil, vous vous êtes sanctifiés, si toutefois vous êtes des enfants de lumière, des fils du jour et non de la nuit ni des ténèbres. En effet, le héros du jour a dit « Soyez sobres et vigilants ». Et, en parlant aux Juifs des autres apôtres, le jour de la Pentecôte, il leur demandait comment ceux-ci pouvaient être ivres puisqu'on n'était encore qu'à la troisième heure du jour, Actes chapitre 2. Au langage de Pierre se rapporte ce que disait son collègue en apostolat « La nuit est avancée et le jour approche ». Quittons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière, puis marchons avec bienséance et honnêteté, comme on doit marcher durant le jour. Renonçons, dit-il, aux œuvres des ténèbres, c'est-à-dire au sommeil et à l'ivresse, car ainsi que je l'ai dit plus haut, ceux qui dorment, dorment pendant la nuit, et ceux qui s'enivrent, le font aussi durant la nuit. Cessons de dormir, puisque le jour est levé, et marchons comme on doit marcher dans le jour, c'est-à-dire avec honnêteté, non point comme des gens que l'ivresse fait chanceler. Apercevez-vous un homme dont l'âme, engourdie par le bien, sommeille? Il est encore plongé dans les ténèbres. En apercevez-vous un autre enivré d'absinthe, s'élever au-dessus de ce qu'il doit dans les sentiments qu'il a de lui-même, dont l'œil n'est jamais rassasié de ce qu'il a vu, ni l'oreille satisfaite de ce qu'elle a entendu, qui éprouve, pour l'argent et pour ce qui y ressemble, une faim insatiable et une soif aussi longue que celle de l'hydropique.
C'est un enfant de ténèbres, un fils de la nuit. D'ailleurs, ces deux vices vont rarement l'un sans l'autre, car l'Écriture a dit: l'homme oisif est rempli de désirs, c'est-à-dire tout homme qui sommeille est plongé dans l'ivresse. Sanctifions-nous donc aujourd'hui et tenons-nous prêts, mais aujourd'hui même, en secouant le sommeil de la nuit. Dissipons aussi, car le jour a lui, l'ivresse de la nuit, pour nous sanctifier, et mettons un frein à la fureur des mauvais désirs. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux mots: nous éloigner du mal et faire le bien. Mais il faut que ce soit aujourd'hui, car le jour de demain ne se passera ni en sanctification ni en préparation. Il sera pris tout entier par la vision de la majesté de Dieu. Demain, est-il dit, vous verrez la majesté de Dieu au milieu de vous. C'est ce que dit aussi le patriarche Jacob quand il s'écrie: demain, mon innocence me rendra témoignage devant vous. Aujourd'hui, on pratique la justice, mais demain, elle doit rendre témoignage pour nous. Aujourd'hui, on la cultive, mais demain, elle doit porter des fruits. Comment d'ailleurs pourrait-on moissonner là où on n'a point semé? Aussi, celui qui, maintenant, méprise la sainteté, ne verra point alors la majesté. Celui pour qui le soleil de justice ne se sera point levé, ne verra point non plus le soleil de gloire se lever à ses yeux, et le jour de demain ne luira pas sur lui, si le jour d'aujourd'hui a été pour lui sans lumière. Car celui qui aujourd'hui a été fait notre justice par Dieu le Père est le même qui demain apparaîtra comme notre vie, afin que nous soyons avec lui dans la gloire. S'il naît aujourd'hui tout petit enfant, c'est afin que nul n'ose s'enorgueillir, mais que nous convertissions et devenions aussi nous-mêmes comme de petits enfants. Demain donc se montrera le grand Dieu, le Seigneur digne de toute louange, afin que nous recevions aussi louange et grandeur le jour où chacun recevra de Dieu la gloire qu'il mérite. Ainsi, le jour de demain glorifiera ceux que le jour d'aujourd'hui aura justifiés, et la vision de la majesté divine succédera à la consommation de la sainteté. Or, ce n'est pas d'une vaine vision qu'il est ici question, puisqu'elle consiste dans la similitude. En effet, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà pourquoi il est dit non pas seulement vous verrez la majesté de Dieu, mais vous la verrez en vous. C'est qu'en effet, si aujourd'hui nous ne voyons en lui que comme dans un miroir, parce que maintenant c'est lui qui reçoit de nous, demain nous le verrons en nous, parce que c'est nous qui recevrons de lui, quand il se montrera à nous et nous attirera à lui. C'est là ce qu'il a promis de nous servir en passant. Mais en attendant, nous recevons de sa plénitude, non pas gloire pour gloire, j'en conviens, mais grâce pour grâce, selon ces paroles du psalmiste: le Seigneur nous donnera la grâce et la gloire. Gardez-vous donc bien de faire peu de cas du premier de ces dons, si vous désirez recevoir le second, de dédaigner les premiers morceaux, si vous voulez goûter au suivant, et de refuser de prendre ce qu'on vous sert pour le plateau sur lequel on vous le sert. Car notre pacifique Sauveur s'est fait plateau incorruptible en se donnant un corps inaccessible à la corruption, dans lequel il nous servit les mets du salut. Il est dit en effet: vous ne souffrirez point que votre sein éprouve la corruption. Or, il est certainement question en cet endroit de celui dont parlait Gabriel quand il disait à Marie: le saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Soyons donc sanctifiés aujourd'hui par ce saint-là, afin que nous soyons sa majesté lorsque le jour aura lui, car il n'y aura encore que le jour de la sanctification, le jour du salut qui a lui pour nous, non point le jour de gloire et de félicité. D'ailleurs, tant qu'il n'est encore question que de la passion du Saint des Saints qui souffrit le jour du Parachevé, c'est-à-dire le jour de la préparation, il est juste qu'on nous dise à tous: sanctifiez-vous aujourd'hui et tenez-vous prêts. Oui, sanctifiez-vous en marchant tous les jours de vertu en vertu et tenez-vous prêts à persévérer. Mais en quoi nous sanctifierions-nous? J'ai lu de quelqu'un dans l'Écriture que le Seigneur l'a sanctifié dans sa foi et dans sa douceur.
Il est en effet aussi impossible de plaire aux hommes sans la douceur que d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est donc bien à propos que nous soyons avertis de nous tenir prêts dans les choses pour lesquelles nous plairons à Dieu, dont nous devons voir la majesté et, mutuellement, à nous autres hommes aussi, afin que nous la voyions en nous tous également. Nous devons donc faire provision des vertus, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, pour être agréables en même temps à notre roi et à nos concitoyens qui sont aussi nos compagnons d'exil. Mais ce qu'il faut chercher avant tout, c'est la foi dont il est dit, il a purifié leur cœur par la foi. En effet, bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Abandonnez-vous donc à Dieu, confiez-vous à lui, jetez en lui toutes vos pensées. Il vous nourrira et vous pourrez vous écrier, le Seigneur prend soin de moi. Voilà ceux qui ne goûtent point, ceux qui aiment leur propre personne, ces demi-savants toujours inquiets pour eux-mêmes, qui accomplissent tous les désirs de la chair et sont sourds à la voix de celui qui a dit, jetez dans son sein toutes vos inquiétudes et vos peines, parce qu'il a soin de vous. Car mettre la confiance en soi, ce n'est pas de la confiance, c'est de la trahison. Avoir foi en soi, c'est se défier et non se confier. Le vrai fidèle est celui qui ne croit point en soi, n'espère point en soi, et a ses yeux comme un vase fêlé et perd son âme, mais de manière à la garder pour l'éternité. Or, il n'y a qu'un cœur plein d'humilité qui puisse faire cela, qui empêche l'âme fidèle de compter sur soi, et la force à se quitter elle-même pour s'élever, enfin, comme du désert, appuyée sur son bien-aimé et par conséquent, inondée de délices. Mais pour que notre sanctification soit parfaite, il faut encore que nous apprenions du Saint des Saints la mansuétude et la grâce de la vie en commun, selon ses propres paroles du Maître. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que celui qui est doux, plein de mansuétude et de miséricorde, qui s'est fait enfin tout à tous, qui répand sur tous ses semblables l'huile de sa douceur et de sa mansuétude, dont il est lui-même si pénétré, si arrosé, si ruisselant, qu'il semble la laisser couler de tout son être, est effectivement inondé de délices. Heureux celui qui s'est préparé par cette double sanctification et peut dire, mon cœur est tout prêt, Seigneur, mon cœur est tout prêt. Il a en effet produit aujourd'hui son fruit dans la sanctification, et demain, il aura pour fin la vie éternelle, car il verra la majesté de Dieu, ce qui n'est autre chose que posséder la vie éternelle, selon ce mot de la vérité même. La vérité, la vie éternelle, consiste à vous connaître, vous qui êtes le seul Dieu véritable et Jésus-Christ que vous avez envoyé. Le juste juge lui donnera ce jour-là une couronne de justice que nul autre ne remplacera plus jamais. Il verra alors et nagera dans la joie. Il sera dans l'admiration et son cœur se dilatera de bonheur. Mais jusqu'où se dilatera-t-il? Jusqu'au point de voir la majesté de Dieu en soi. Ne pensez pas, mes frères, qu'il me soit possible de vous expliquer cette promesse par des paroles. Sanctifiez-vous donc aujourd'hui et tenez-vous prêts. Demain vous verrez et vous serez dans la joie, mais dans une joie qui remplira tout votre cœur. En effet, qui ne pourrait remplir une pareille majesté? Elle le remplira donc par-dessus les bords, au point de le faire déborder, lorsque on versera dans votre sein une bonne mesure, bien pressée et bien entassée, qui se répandra par-dessus les bords. La mesure sera tellement comble qu'elle surpassera en hauteur non seulement vos mérites, mais nos vœux même, car Dieu peut faire bien plus que nous ne saurions comprendre et espérer. En effet, tous nos voeux semblent se rapporter à trois choses, l'honnête, l'utile et l'agréable. Oui, là se bandent tous nos désirs. Voilà ce que nous souhaitons tous avoir, avec cette seule différence que les uns désirent plus une chose et les autres une autre. Ainsi, tel homme est tellement adonné au plaisir qu'il ne songe même plus ni à ce qui est honnête, ni à ce qui est utile. Tel autre, au contraire, est si avide de bien qu'il ne voit ni ce qui est honnête, ni même ce qui est agréable. Et le troisième, se mettant aussi peu en peine de l'utile que de l'agréable, ne songe avant tout qu'à ce qui lui fait honneur. Tous ces vœux n'ont rien de répréhensible,
Et si nous recherchions l'objet de ces désirs en Dieu, nous les trouverions certainement. Attendu que là où ils sont en effet, ils ne font qu'un, car le souverain bien n'est autre chose que ce qui est souverainement honnête, utile et agréable. Or, c'est là précisément, autant toutefois que notre esprit peut le comprendre, l'objet de notre attente et la promesse qui nous est faite devant la majesté de Dieu en nous, en sorte que Dieu sera tout en tous, c'est-à-dire sera tout à la fois pour nous, l'agréable, l'utile et l'honnête.